Ils vont arracher la porte ici. Voilà, chers amis internautes, le commandant de la 21e région militaire poursuit le tour. Là, nous sommes à la résidence de M. Labbé, qui a été pillé aujourd'hui par les inciviques. Voilà. Ceux qui parlent pour le protéger contre les armes, ils ont tiré. Ils ont pensé qu'ils venaient revenir encore. Vous avez pris mon numéro? Pardon? Vous avez pris mon numéro? Oui, il a pris. 090. Venez un peu, on doit avoir des explications là, ici. Quelques détails. Hein. Voilà. Nous sommes au complexe scolaire Saint-Marcel. Là, nous sommes à la résidence de Messie Labbé. Et je crois que vous aurez les explications qui a été vandalisé, pillé par un groupe des inciviques qui profitent moindre mouvement, il faut piller. Moindre pépin, ils font piller. Donc nous venons d'arriver. Même les lits, donc ils ont tout pris. Même les lits, les habits, l'argent, les foufous, tout, tout. Voilà. Là, c'est la visite du commandant de la 21e région militaire qui fait un peu le rond dans des différents centres pour voir un peu le déroulement des scrupins. Voilà. Donc, il y a des jeunes qui profitent, moindre pépin, ils profitent à piller, donc ils ont tout pillé. Sur M. Labbé, je crois. Voilà. Nous allons essayer un peu de faire parler. Donc tous ceux qui parlent beaucoup là, ils sont du nombre. Monsieur l'abbé, on peut avoir les explications. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bonjour. En fait, nous, ce matin, on s'est réveillé. Ici, nous sommes où? Ici, nous sommes à la paroisse Saint-Marcel de Pemba. Oui. Précisément à la cure qui a été sauvagement pillée. Et nous sommes réveillés ce matin normalement. À 8h personnellement, je suis allé aller au complexe scolaire 4 janvier pour pouvoir voter parce que j'ai été enrôlé là-bas. C'est à mon retour vers 10h que je croiserai les confrères, l'abbé Doyen qui habite avec moi ici, qui me dira que les jeunes de Pemba, les délinquants, sont en train de piller notre cure. Il m'a même demandé de ne pas arriver ici, mais de retourner pour chercher l'intervention des policiers. C'est comme ça que nous sommes allés trouver les policiers qui sont venus, qui nous ont protégés entre-temps, mais entre-temps, tout était déjà pillé. Comme vous venez de le mais non, on vous reproche de quoi? Qu'est-ce qu'on me rapproche? Je ne vois pas ce qu'on me rapproche, puisque avant ces jours, j'avais 8 billes. Il y avait un groupe de jeunes qui promettaient de venir nous piller. Okay. Alors ils ont profité de l'occasion, du jour de vote, pour venir nous piller. Et les votes se passent à l'école et non pas ici à la cure. Ils ont pillé l'école ici? À l'école, ils n'ont pas pillé, c'est ça le problème. Okay. Le vote se déroule à l'école, mais ils ont quitté l'école, ils sont venus ici pour. Est-ce que piller. Vous les avez identifiés? Oui, on a identifié la plupart. Il y a, moi, je n'étais là, personnellement, je n'étais pas là, mais il y a nos jeunes chrétiens, nos chrétiens qui étaient là, qui les ont vus amener tel ou tel autre donc, objet. Okay. Ils ont pris l'argent. Ils ont volé hein, dans l'ensemble, ils ont pris 3 700 $ qui étaient dans les affaires avec 1 600 000 de francs congolais. Mais il y avait une autre somme de chrétiens, c'est eux-mêmes qui géraient ça. C'était une thèse dans la thèse qu'on vient de montrer là-bas. Okay. Je ne sais pas quel est le montant qui était là-dedans. Mais en termes d'objets, je ne reste qu'avec les habits que j'ai portés le matin. Ils ont tout emporté. Même les ornements de la messe, okay. Même les livres liturgiques, ils ont tout emporté. Même les vins, les hosties, ils ont tout pris. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Merci beaucoup. Oui. Voilà.
Chers amis internautes, nous poursuivons notre ronde avec le commandant de la 21e région militaire. Donc là, nous sommes du côté de... Nous sommes du côté de Bipemba, au complexe scolaire Saint-Marcel. Voilà. Allez-y voter, chers amis internautes, allez-y voter. Le commandant de la 21e région militaire, accompagné de la population de Bipemba. Voilà. Voilà. Allez-y voter, chers amis internautes. Voilà. Quoi, donc, vous allez suivre également en image. Il y a le centre qui a été pillé par les inciviques, le machine de vote emportée, toujours à Bipemba. Voilà. Ouf. C'est vrai.